Salut les loulous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être courte. Donc je suis désolé, il y a des travaux à côté, donc le bruit, je sais pas s'il est top, mais bon, on va faire avec. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer un petit exercice que j'utilise beaucoup pour le travail de force dans les jambes et le travail de mobilité, de souplesse aussi dans les jambes. Un exercice tout bête. Je vais pas me répéter tout au long de l'exercice, mais allez-y vraiment progressivement parce qu'il peut... c'est intense, donc n'allez pas au-delà de vos capacités, allez-y tranquillement. Par contre, faites-le avec fréquence, comme ça vous allez avoir de grands et de meilleurs résultats. Donc, les jambes écartées, les pieds légèrement ouverts sur le côté. Le premier but va être de plier le genou bien derrière et vers l'extérieur et de descendre pour chercher mon amplitude maximum. Ici, je bloque, je pousse sur ma jambe pour revenir. Pareil de l'autre côté, le genou hyper important. Hop. Et là, je pousse pour revenir. Maintenant, je vais venir ici, amplitude maximum. Quand j'y suis, je tourne mon pied pour passer sur le talon. Toujours mon genou qui vient chercher derrière et sur le côté. Ici, je pousse sur ma jambe pour pouvoir remonter. Maintenant, ici, l'autre côté, maximum. Je suis ici et je pousse sur ma jambe pour remonter. Maintenant, je vais travailler un peu plus ma mobilité de hanche. Donc je viens ici, en face, je pivote, je repivote et je pousse. Pareil de l'autre côté, je pivote, je repivote et je pousse. Maintenant, les loulous, c'est la partie la plus sympa. On vient poser les fesses par terre, je ferme le genou et là, de façon volontaire, doucement, je vais aller le plus loin possible. Quand je suis le plus loin possible, je reviens, je n'y reste pas. Je force pour aller au plus de mon amplitude et après je reviens. Ici, généralement, on va s'appuyer, on va s'aider de ses mains. C'est OK. Au final, il ne faudra plus, mais pour le moment, c'est OK. Il va falloir que je dégage mon genou ici en contractant ma fesse. Mon genou il doit être le plus possible pour libérer mon bassin. Et d'ici, je reprends la position que j'avais avant. Je ferme, je remonte. Hop, je descends, doucement, je vais au maximum, je reviens, je réouvre, je monte, je ferme, poum, avec lenteur, avec rapidité, poum, peu importe, travaillez ce petit exercice, ça va vous faire des jambes béton, et en plus vous allez mettre de la force dans votre maximum d'amplitude, donc c'est hyper intéressant. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le cadre vous plaît aussi. Parce que là, il y a plein de gens autour qui me regardent un peu chelou. Mais c'est comme ça. Des gros bisous à tous.